nouveau-né. Hein, l'association de promotion du tourisme alternatif en Tunisie vient juste de naître. Donc on en est encore au stade de balbutiement, de vagissement. On est à la clinique encore, comme on a dit à la clinique. Hein, on est encore au stade de la clinique. Donc on est en train de programmer beaucoup de choses en 2012. On est en train d'asseoir notre politique de travail pour les années à venir. On est en train de penser à le devenir du tourisme tunisien pour les années à venir, parce que notre tourisme doit changer. Effectivement, doit changer. On a parlé de ça depuis des années maintenant. On en parle depuis des années que le tourisme devrait changer. On est là pour ça. On est là pour pousser les ministères, pour pousser les autorités, pour pousser les gens à changer de mentalité et à faire exactement ce qu'ils ont dit pendant des années. On est là pour faire appliquer un petit peu toutes ces thèses, ces études de marché, ces études de faisabilité, ces études de profitabilité du tourisme en l'an 2016 et en 2020. On est là pour pousser à faire les choses sur le terrain. Alors, il est composé de gens à qui je donne confiance dans leur milieu respectif. Hein. Moi-même, je suis un voyagiste, mais j'ai aussi deux propriétaires de maisons d'hôtes. J'ai un journaliste qui est en freelance pour tout ce qui est vadrouille et écotourisme et randonnée en Tunisie. Nous avons un ancien cadre de l'ONTT. Nous avons quelqu'un qui a créé le premier gîte rural en Tunisie. Nous avons quelqu'un qui a créé le premier centre culturel Village Ken en Tunisie. Donc c'est ce genre de team avec les mentalités diverses, avec des idées diverses, avec des expériences diverses qui vont nous aider à progresser. Ce n'était pas voulu. Hein. On a fait la création de l'association en juin 2012 et c'est maintenant qu'on a eu la réponse. Ça fait même 4-5 semaines et ça tombe bien parce que ça tombe exactement juste à pic avec qui c'est le nouveau ministre du Tourisme, quelle politique ils vont suivre, quelle politique. On est là pour ça, on est là pour être un acteur majeur de ces pourparlers, de ce qui se passe pour le tourisme en Tunisie. On sera là pour aider à pousser les choses, on sera là pour jouer notre rôle en tant que professionnel.